Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de NAC 2, toujours en compagnie de Nevia. Tout à fait, je suis toujours là. Et oui, tu es là pour le chapitre 7.1. 7.1. Oui, ou tiret 1, si tu préfères. Parce que c'est pas un point, hein. Le champ de bataille enseveli. Je sais plus exactement ce qui s'était passé sur la fin, si ce n'est que... On a fini le musée, on est allé voir la cité cachée des hauts gobelins. On a battu tout le monde. On s'est tabassé, tout ça, là. La relique a été donnée à Xander, parce que Lucas est en mode... Bienvenue, le professeur, il dit, oh là là, ça y est, tu prends quelque chose en sérieux. Et puis il l'a donné à l'autre. Bon, en tout cas, il y a une musique en mode... De l'action. Des travaux. Des grues. De la boue. De la boue. Parce qu'on va faire un acte de boue. On va se remettre les boutons dans les doigts. C'est que de la beauté, c'est pas... De la beauté, ça ? Oui, c'est que de la beauté. La beauté. Tu t'arrêtes devant la pierre, je fais, oh, vous êtes en beauté aujourd'hui. Bah, c'est de toute beauté, quand même. On commence avec 1m41, déjà. On est un grand enfant. Ah non, j'ai cru que c'était des petits... J'ai cru que c'était des petits racailloux, mais... Non, c'est des cisaillox. Ah, ma gratitude. Ils arrivent avec leur larme. Un truc, hein. Absolument exceptionnel. Eh bien, merci. J'avais l'XP. Ah, mais on est un point. Ouais, tu m'as fait peur. Sans crier gare, là. Qu'est-ce que tu veux? Ah ouais, vas-y, l'attaque renforcée. On a attaque renforcée coup de poing. On a attaque renforcée super punch. On a attaque renforcée écrasement. Écrasement 50%. De plus, sur la puissance d'écrasement, c'est pour vous, c'est aujourd'hui, c'est en exclusivité mondiale. Ouais, parce que j'aime bien écraser. Ah bah ça. Hey, ça arrive. Ah oui, madame Dimitrescu. Ah. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Aïe. Tu vois, moi aussi, il écrase. Bon, oui, je suis écrasé. C'est clair. Oh. XP encore. Ça casse tout! C'est un gros coffre, ça fait un tiers de cercle. Pourquoi j'en ai si peu, moi? T'as pris des coups? Tu prends des coups, je crois que ça en enlève du jaune. Tu parles du jaune, hein? Oui, bah, je pensais que j'en avais un peu plus. Je pensais pas avoir pris tant que ça de coups. Ah! C'était triangle. Bah, j'ai fait, mais j'ai dû faire pétoir. Ah! Je t'ai vu faire rond. Ça fait des années que les archéologues travaillent sur ce site. Oh, remarque, non, c'est la même anime. Donc, peut-être que c'est fait une fois, pardon. J'ai vu que t'avais fait le... Une musique très uplifting. J'ai tout gâché, désolé. Oui, uplifting. Attention à vous, allez pas vous faire écraser par les machines. Moi, je reste là. Je sais même pas pourquoi on va y aller, mais... On fait tout le temps ça, on sait pas pourquoi. Il y a un truc derrière. Oui, il y a un truc derrière, il y a un coffre derrière. Tiens, on y fait la plateforme. Ah, tu veux lui dire. Ah ! Parce que si y en a un de nous qui reste là-bas, la caméra est dégueulasse. Ok. C'est pas grave, on a la caméra, on va y arriver. Je me suis pris mon caillou sur la tête. Oh non ! Petit caillou. J'ai perdu mon bouclier. Ah. Ah, plus de bouclier. Attends, t'en rechopperas un, t'inquiète pas. Pourquoi je suis sur le petit trou? Parce que t'étais proche du trou, peut-être. Là, ça m'a rendu petit automatiquement. Ça doit être ça, tout à fait. Mais encore? Mais c'est pas possible. Oui. Le cercle infini. Je vois Portal, mais toute seule. Pièce du brisir de cristal. Ouais, ça on a déjà, ça c'est tout de l'infini, ça on a déjà. Bon, allons-y avec ça. Hein. Ça fait quoi ça? Ça permet de briser les pierres solaires à distance en faisant un écrasement. T'aimes bien mais toi ça. Et aussi les super cristaux. Et aussi les super. Hein? Les super cristaux. Ah oui, j'ai... Qu'est-ce qu'elle raconte? C'était juste la dernière ligne de la description. On voit qui dit jusqu'au bout dans les exercices. J'avais eu un exercice comme ça quand j'étais à l'école. Ah, je crois que je vois de quel tu parles. Où c'est genre un examen, mais super complexe avec chaque question. Avec questions qui te dit bien la première, lisez jusqu'au bout. Exactement, à toute force, elle dit juste... Faites la question 1, voilà. Faites la question 2 ou un truc comme ça. Je m'en rappelle, effectivement. T'es fait avoir ou pas? Je me rappelle pas m'être fait avoir. Moi, je me suis fait avoir. Moi, je m'en souviens très bien. Mais parce que j'ai vu ça...
J'ai vu ça un peu comme... comment ça s'appelle? Comme les bouquins de jeux vidéo, tu sais, t'aimes bien lire quand t'es petit. Moi j'aime bien lire toutes les consignes jusqu'au bout. Ah bah, quand faut être sérieux. Voilà, moi quand j'ai un examen, je pars du principe que j'aurai tout à faire de toute façon, donc du coup ça m'a pas effleuré l'esprit. Et je me suis dit, bah, de toute façon, si je lis tout d'un coup, je vais oublier ce que j'aurais lu avant. Donc autant que quand je lis. Bon, après, c'est vrai que la plupart du temps, dans les examens, il n'y a pas une question à la fin qui dit faites que la première, quoi. En fait, ouais. Nous, je crois que c'était en cours pour vérifier qu'on lit bien les consignes. Je regarde ce qui se passe si vous ne les lisez pas. Ah, des bébés phoques meurent. C'était horrible. Oui. Horrible. Du coup, lis bien les questions. Oh, wow. Oh wow. Je sais pas comment on a fait, mais... Parce que moi, c'est souvent que j'essaye de... Ah, faut faire comment? Comment tu fais pour, du coup, frapper quand t'es en l'air? Ça, tu veux dire? Enfin, je veux dire, est-ce que ça le touche forcément? Parce que moi, à chaque fois, je veux, bah, je veux sauter, plus faire un coup de poing, sauf que ça marche pas. Ah, parce c'est... tu sautes et tu fais coup de pied. Ça marche, du coup? Bah là, tu tapes, ouais. Hop. Et du coup, pour péter les cristaux, ça marche, c'est ça la question. Oh! 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 J'écrase tout. Ma vengeance sur la vie. Ah oui, c'est ça qu'on vient faire ici. On vient chercher les titans. Tu vois, ça marche pas. C'est pas assez haut là. On est pas assez haut avec ça. Alors que si on fait peut-être ça. je l'attends pas. Comment on l'a fait, je sais pas. J'ai fait écrasement sur toi et t'étais en l'air. Et du coup, ça fait là où eux. D'accord. Bah, justement, c'est le truc à faire. Bon, il doit y avoir un autre moyen pour tenter tout seul. Quoi. Mais on l'a pas compris. Oh, le mini-grouille. Je me battais contre un petit d'un coup. Aïe. Voilà, d'abord, enlever l'armure. Je m'en bien. Waouh. Waouh. Tu es efficace. Encore une fois, hein, si vous entendez un bruit, c'est la manette qui a explosé contre le bureau à chaque fois. C'est pas parce que t'as gagné que forcément il faut me ridiculiser comme ça. Hein. C'était pas pour te ridiculiser, c'était pour te On va mettre des gros. Oh la vache. Ça diffuse une version. Cours, cours pour ta vie. Cours, là les flics. Oh, son ralenti magnifique. Ah bah il est mort. En plus, je suis pas. Oui, ça c'est ce quoi, sont nos c'est amis qui, ça. Cette personne ça qui... c'est Lucas qui passe. Il y en a un qui a du mal hein. C'est pas le plus grand. C'est ici que je viendrai. Toi, Gundar? N'importe quoi. Quoique, en regardant bien, il y a un air... Bah, il a dit si j'étais, hein, il a pas dit qu'il l'était, quoi. Bon, allez, on oh, il s'amuse comme il peut, le petit tonton, là. Déjà qu'il nous sert de taxi avec son avion. Oh, un peu paternaliste. Ah. Merci. J'ai pas bougé, hein. Bon, du coup, ils ont dit, on va la faire suivre. Et moi, j'étais en mode, non, ah ouais, en fait, ils m'obligent à aller là. Terrible. Bravo. J'étais en mode, ne faudrait pas que ça arrive à ce moment-là. Moi je fais propre téléportation, sinon ils sont cons. Téléportation fait maison. Oh. J'ai moulé hein. Pardon, t'as moulé? J'ai moulé, j'ai eu de la chance. Ah, d'accord. J'ai eu de la moule. Du coup, j'ai moulé. Moi, j'ai cru qu'il avait moulé un cake, je sais pas. Bah, on peut mouler des cakes aussi. Mais je connais plus les démoulés. Genre à la cuisine, par exemple. Un bon petit cake. Faut bien le mouler à un moment donné, non? Sinon, il prendra jamais forme. Je sais pas, il se moule dans le Dans le moule? Dans le moule tout bah, seul. Bah oui. Tu moules ton cake dans un moule, hein? Oui, puis oui. Qui roule n'amasse pas moule. Ah,
Ah, je vois qu'on est sur une tentative. Non, mais j'aime bien t'envoyer. Oui, bah oui. Parce que ça a l'air cool. Ça a l'air cool. J'allais dire, tu m'as fait peur que t'allais tomber, mais ouais. Finalement. Ah oui, mais il faut faire R1. R1. Sinon je peux pas tenir sur les plateformes parce que c'est trop gros. Oui. Voilà, alors que le USB 10, ça tient. Oh la mort, mon petit acolyte. Puis depuis, j'ai dit clair finalement. C'était pas le même bouton. Ah ouais. C'est vrai, c'était celui-là, c'était pas. Ah, c'était pas celui-là. Non, c'était pas celui-là. J'aime bien voir ce que ça aurait pu faire. Oh, t'étais presque, hein. Eh, je t'ai bien envoyé. Ah, je pensais que t'allais m'envoyer. Pardon. Ah, faut pas tomber maintenant. Oh. Vas-y, je t'envoie. Ok. Faut mieux viser, monsieur. Faut qu'on soit en l'air, je pense. C'est quoi? Vas-y. C'est cadeau. D'aventure, hein. Ça, on l'a trouvé. Regarde-moi ce mec. Ah bah le retour. Aïe. C'est rigolo. C'est bien cet atelier. Moi je l'aime pas trop parce qu'il m'oblige à rester là où t'es. Pourquoi j'ai fait un bon. Heureusement j'ai un peu de bouclier. Hey oh. Mais quand j'arrive en fait, je suis un endroit et puis mets un autre et c'est pas cool. Oh, de l'XP. Oui, en fait, quand ça me fait bouger en même temps que toi, quand j'arrive pile poil, du coup, ça me fait sauter alors que j'ai pas bougé. Là, si je saute, tu vas bouger? Là, non, mais quand j'étais en train de revenir. Ouais. Et du coup, mon corps était là. Ouais. Et comme t'as sauté à ce moment-là, mon corps a bougé ensuite alors qu'il était déjà... Alors je sais pas si tu faisais déjà ou pas, mais tu peux faire ton double saut lorsque tu apparais. D'accord. Pour te recalibrer. Moi je le fais tout le temps dès que j'arrive. Genre là, imaginons que je fais ça, bah, je peux encore sauter comme ça. D'accord. Bon, moi je disais en mode, bah, le mieux c'est de pas bouger quoi. Ah non, non, le mieux c'est de bouger. Hein, Ah bah maintenant j'ai compris. Il faut d'abord évaluer la profondeur. En fait c'est quoi? Ah vas-y, j'aurais bien avec mon coup de pied quand même un jour. Par contre, je suis tout en haut, vas-y pour chercher quoi. Vas-y, il saute. Voilà, bien joué ça. On ça, est ça pour exploser les joueurs en l'air, hein. Il y a du monde. Ouais. Fuck. C'est pas par là qu'on doit aller, monsieur. Et non. J'aurais rigolé s'il y avait un vide ici. Et non. Ah ouais. Par ici, Nak. Oh. J'ai disparu, tu m'as... tu m'as envoyé dans... dans le vide. T'es dans le jeu d'à côté. T'es déjà dans Nak 3. C'est fou tous ces robots qui se réveillent quand on arrive. Ah oui. Mais parce qu'il y a aussi les hauts gobelins qui arrivent. Peu importe, ils feront pas long feu. Moi je me dis surtout ces robots là quand ils se réveillent, c'est ouf parce qu'ils sont pleins de boue, ils sont pleins de crasse, mais ils sont quand même fonctionnels à minimum quoi. Genre les articulations sont là. Bonne qualité. Deutsch Qualität. Il y avait un truc comme ça dans une pub. Il y avait Deutsch Qualität qui est une pub qui était pour une marque de voiture allemande, je sais plus laquelle, pour dire oh là là c'est de la qualité allemande et du coup trop bien. Vous me faites chier monsieur. Mais arrêtez de sauter partout espèce de gros. Oh elf, ce sont des elfes. Si jamais tu cherches. Je cherchais sa grosse épée. Sa grosse. Ça parle un nom de grosse épée comme ça. Ah, c'était Clémore, j'étais pas sûr. Clémore ou épée bâtarde aussi. Que tu aimerais sûrement utiliser dans ce genre d'expression lorsque tu as un peu les nerfs et dire oh ton épée bâtarde. Des espèces d'épée bâtarde. Ils sont un petit peu belliqueux. Hein. Oui. Juste un peu. Tu as raison. Clairement, clairement belliqueux. Attends. J'ai été explosé. Moi. Oh, c'était bien le grab coup de poing derrière. Pas de raison d'avoir peur. Vu ce qu'ils mettent. Oh putain. Oh le salaud. Il
Non. Oh là ouais, oh là ouais, qui a failli bah, me tuer, hein, je suis mort. Oh là là, oh là là, oh, oh la vie, oh la vie. Oh, ah. le coin a été. Le coin a été fatal. Franchir avec les premiers, ça va pas faire. Faut qu'on utilise plus la torpille, ce genre de truc là. Toute l'équipe. Mais moi quand je le fais, Ah, en équipe, tu veux dire. Ouais, en équipe. Parce que moi j'ai du mal à chaque fois. Comme ça là, tu vois, là, il sait plus quoi faire. Là. Voilà. Vas-y, reviens. Ouais. Vas-y, reviens. Oh. Ah. Mauvais jeu. À l'aide, reviens par là. Non, mais arrête de se tirer. Je vais me battre. Elle nous nique la caméra là. Vas-y, je tombe. Il m'a mis dans le mauvais endroit. Je suis mort maintenant. Ça c'était pour la caméra. Oula. Oula. Mais c'est pas possible. Arrête. On n'aura même pas l'XP. Ah non, il est en suivi. Heureusement que les moines. Ah non, c'était Lucas. C'était Lucas en effet. Oh, tant pis, c'est pas grave, y'en a d'autres ici. T'as raison. J'aurais pas me. Waouh! Ok, j'y vais. J'aurais pas me formaliser. Ah, y'en a trop petit! Oh non! Oh. Ah oui, c'est vrai, c'est L1 pour garder. Ça marche pas quand on garde sur moi. J'ai fait une esquive, j'ai pas fait exprès. Oh! Allô. Ah ouais, faut pas touche mon poteau. Faut garder, hein. Je suis laissé moi le poteau. Oh non. Viens par là. Pas. Aide-moi. Bien joué ça. C'est marrant parce que tu m'envoies tout le temps quand il y a des trucs de plateforme où je voudrais pas être envoyé, mais dans les combats pas trop, ça va. Parce que moi je suis en mode je vise pas bien. Je sais pas pourquoi il bouge pas, mais je suis contente. Je sais pas, il restait là, les bras ballants. Je me dis, bah écoute. Quoi, je le comprends, hein. Moi, devant toi, je fais pareil. Shockhead. Tu restes les bras ballants devant moi. Les bras ballants en train de rêvasser, de dire Oh. Avec la bave. Ah oui. Qui coule le long de la barbe. Se battre. C'est sûr. Hey, la dernière fois qu'on a eu le choix, on s'est pas battu, hein. Ah, j'arrivais pas. Putain, je me suis pris une. Attention à la mélasse, à la terre, les mouvements. Oh pardon. Je suis navré. Je voulais juste te rejoindre. Ah oui, il y a des combattants de Zandar. Ça c'était. Non mais je voulais graber le méchant. C'était à moi ça. Ah, là je voulais graber la machine. Oh t'as vu là j'ai réussi à le faire. Ah ouais ça. On veut aller où là? Alors on veut aller là-haut bien sûr. On veut graber un truc en dehors de moi. Pourquoi j'arrive pas à y aller? Peut-être parce qu'il te faut un peu de hauteur. Franchement ils exagèrent hein. C'est pas très difficile. Tiens prends ta caisse. Ouais, c'est pas des caisses moi. Allez, tu viens ou pas? Je sais pas, je me suis dit c'était juste pour un coffre et du coup quand t'allais y aller ça allait mettre la caméra mais visiblement non. Mes excuses. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment je vais faire sur les replays? Je vais te couvrir ton pierre. Pas très malin. Détruire en 1. J'ai même pas compris la phrase en plus. Quand la jauge de pierre solaire est pleine, ouais. Ce gadget convertit l'excédent de pierre solaire détruite en énergie artefactale. Tu gagnes de l'énergie quand ton bouclier est plein et que tu casses d'autres pierres. Oui, j'étais en train de me demander c'est quoi l'énergie artefactale. C'est pas pour gagner des points de. Ah, c'est l'XP? Il me semble, non? C'est pas excellent. Des trucs artefactables qu'ils disaient. Ouais, c'est... Non, je pense que t'as raison, quoi. C'est très bien. Évidemment que j'ai raison, j'ai toujours raison. C'est pas jusque là, mais. Ok, j'ai pas souvent raison, du coup, quand j'ai raison, je suis bien contente, hein. Ah oui. Parce que t'es porteur, au final, on voit pas trop les faits, donc. J'avoue. Autant avoir un max d'XP. D'ailleurs, je crois qu'on est à un point, non? À chaque fois. Alors, on a attaque renforcée, coup de pied. Coup de pied acrobatique. Super punch. Coup de poing. Coup de poing. À chaque fois, je le dis pas, mais on a le truc là aussi. Hein. Ouais, mais pour l'instant, moi j'aime bien tabasser. Ah,
Il y avait un petit air. Comment il s'appelle déjà le l'artiste interprète là qui a fait ça m'énerve. Hein. Qui a fait ça m'énerve. Ouais. What? Je sais plus c'est. Non, je vois plus le nom. Je n'ai pas la moindre idée de ce dont tu me parles. Il y a une chanson qui s'appelle Ça m'énerve et j'ai envie de tabasser, ça faisait très cette chanson là. Regarde ce cristaux là. Eh oui. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse d'ailleurs? Viens! Ah, il faut juste être sur la plateforme? À deux, non? Il y a un truc qui augmente quand t'es. Ah bah non. Ça, c'était bien. Hein. Ah, il faut du poids! D'accord, très bien. Bah, allons chercher la caisse. Bah, moi, c'est surtout que je pensais que, comme. Enfin, juste. Voilà. Ouais! Je veux dire, ça a augmenté quand remarque, je me suis mis dessus. Remarque, est-ce que la caisse, je peux la ramener jusqu'ici? Pas, hein. Ah non, d'accord, il y a un truc là-haut, peut-être qu'on va devenir métallique. Et oh, du coup, regarde. En étant métallique, on va devenir super lourd. Oui, ça, c'est pour avoir la caisse. Bon. Ce qu'on a fait il y a un moment. Et là, on fait ça, et puis paf, le métal. Allez, c'est bon. Oh mon dieu, on est... On est lourd. On est... Putain, t'as vu mes gros points? Ouais. Moi, je suis Doro. Ah oh bah j'ai perdu mon métal moi parce que on est parti. Pourquoi t'as perdu ton métal? Parce que j'avais posé sur la plaque pour un pour le poids. Ah d'accord. Et alors ensuite on est directement parti et j'ai pas le temps de le récupérer. Merci Valérie. Il y en a là. C'est vrai ça. What is way? Patrick Sway. Pour tout bien. Oh. Ouvrier numéro 2. Bon, faire quelque chose. Je vais la fermer les portes, mais ça les ralentit pas. Ça les ralentit quelque chose, pas. On veut dire généralement non, hein, vous pouvez rien faire. C'est pas un jeu très. Les gens en dehors de Mac. Très quoi? Genre, c'est pas vraiment un jeu où il y a l'esprit d'équipe entre les personnages qui va. Ah. Il y a juste à la fin quoi, où peut-être ils vont se battre tous ensemble et ça va permettre de gagner contre le méchant, mais. Et sinon, c'est quand même là qui fait tout quoi. Oh, oh, c'est juste moi. J'ai pris peur. Oh, il y a des gros balours. C'est vrai ça. Ouais, la suffra, tu oh. Salabo. Tout va bien. Nous maîtrisons la situation. Anéanti de recherche. Oh. Oh. Non, je suis un peu perturbé par le fait que tu sois bleu et moi jaune. C'est vrai que d'habitude t'es bleu. Oh là là, ce ralentips. Moi je dois tuer tout avec mes gros corps, mes gros muscles. Pourquoi Gundar a pas réveillé les... Tes grosses reliques. Mes grosses reliques, tout à fait. Parce qu'il ne maîtrise pas si bien la technologie que ça. On ne maîtrise pas très bien. Alors que nous. Venez par ici! Oui, chef! Vas-y! On a perdu notre or! Ah! J'y retourne! Ok! Sur là! Bien joué! J'ai eu un peu peur. Il allait falloir qu'on réfléchisse à comment faire l'atelier en solo. Jamais. Never. Oh, bigre. Les tanks sont chauds parce qu'ils ont l'arme de devant là. La moissonneuse batteuse. Attention. Attention. Attention.
Moi qui ne suis plus alors que j'étais plein d'or. Comme d'habitude. Je suis trop content. Oh. Tu me fais rouler dessus. Ça va des banales. D'un coup, hein. Oh, oui, je me sens passer, monsieur. Oh, il fume. J'ai vu fumer. Oh. Oh, tu me démontes. Oh là là. Oh, putain. Oh, moi aussi. Elle me démonte. Bon, je te dis, ah, tant pis, puisque de toute façon je me fais avoir quand j'essaie de l'éviter, autant rester là. Oh, elle a cassé le jeu. Oh. Chaud de puissance. Clairement. On a même fait fuir la coccinelle. Ah, ah oui, une petite plateforme, j'ai pas vu. Je t'ai vu avancer vers la cage, je me suis dit, je me mets pas entre toi et la cage, c'est mort. Une fois sur deux, je finis en torpille à ce moment-là. Comme ça. Comme ça, oui. La boue devient super nac. Utilisez l'âme de la justice. La justice. C'est moi. Je suis la justice. Bon, c'était court. Hein. C'était court, mais c'était bon. Deuxième chat. Attention. Ah, j'arrive pas à le faire, c'était comme tout à l'heure. On fait 3m49 maintenant. Faut le signaler. Hein. Mmh. Bien. Le cool. Bravo. Je te pote. Dessus. Tout à fait. C'est fou quand on rajoute un mot dans une phrase, ça devient moins stylé d'un coup. Oulala, attention. C'est un tank un peu plus fancy. C'est Jimmy. Attention les yeux. Oh, mon Dieu. Observez l'artiste. Oulala. Oh, wow. Banner. Ouais. C'est vrai. Attends, ce que ça. Voilà, c'était Jimmy. Moi, je suis dans le deuxième. Non. Alors, c'est libre d'interprétation. Oh, moi, je le conduis. Toi, tu fais le canon. Je peux faire attaque rapide aussi. Blocage. Ah oui, je peux mettre un bouclier. Et je peux faire... Wouh. Ok. Et toi, tu fais les tirs de canon et tu pivotes le canon. Eh ben, allons-y. Oh, elle est concentrée. Oh, bah, moi, je mitraille. Je peux pas faire autre chose. Ah si, peut-être faire du... Je peux pivoter le canon. Ah oui, j'avais pas vu que ça changeait quelque chose. Mmh. Oh là là, les deux petits nacs, c'est trop mignon. Je crois qu'on est dans la housse. Ok, on va sortir. Voilà ça. Vas-y, vas-y, mitraille-le. Oui, oui. Bravo. Je vous balance. Par contre, quand il y a rien... Waouh. Pardon. Ah, faut le tourner un peu, pardon. Le petit cristaux là. C'est-à-dire qu'on voit loin, donc bon. Elle s'arrête jamais de tirer. Je peux pas avancer quand tu tires. Ah. Enfin, j'avance, mais à chaque fois la coup c'est indépendant de ma volonté. Ah, d'accord. C'est juste pour préciser ça. Ah, c'est de la pratique ça. Bravo. On va laisser le bouclier, je crois. J'ai un peu peur. Wow. Il y a un truc de l'autre côté. Oh, il y a un petit pistolet là-bas. Mille fois, il y a un coffre là-dedans. Oui. R1, croix. Ah,
Mission commando. Ils peuvent pas nous atteindre là-dedans. On est bien cachés. Oh oui. Ça, c'est lequel? Place du briseur de cristal. Ah, allons-y. On avait déjà eu le diapason. Le diapason. Je sais pas si c'était comme ça qu'il l'avait appelé, mais je sais que c'était un diapason. Oh, il y a mon corps là. Allons-y. Enfin, si tu veux toujours faire le char, hein, mais moi, je trouve ça rigolo. Hein. Boum. Froum. Oh. Bien joué, artificier. Non de rien. De tourner quand je fais le boucier aussi. Comment ça va? On peut, parce qu'attention, moi je peux viser que loin. Rigolo que ça y a un peu dans tous les sens avec les boss. Là. Oui. Les doudanes. Les doudanes? Oh, t'as eu peur toi. T'es... Voilà, ah, ça m'a cassé. Ah, ou alors, faut qu'on active le. Oh, y'a un truc là-haut. Ah non, c'est parce que je suis sur le... Du coup, j'étais plus grand que toi. C'était mon corps. Qu'est-ce que tu fais à mon corps? La phrase n'est pas à sortir de ce contexte. Allez, oui. Il faut un pilote. Ah. La déception. Bonjour, il faut que je garde le truc un peu plus proche. Vas-y, fais un créneau. Là. C'est encore mon corps, ça. Ok. J'ai bien aimé ce petit char, là. Un petit char, je sais que t'aimes bien les chars, toi. Bon, je t'avoue que c'est pas ma passion numéro 1 dans la vie, mais... Mais je t'ai aidé. Pam pam. Il y en a encore? Non, c'est bon? Si, si, il y en a encore. Il y en a encore? Par terre? Ah, je parle, ah, je parle des gobelins. Je parle des ah, gobelins. La mine, elle va pas nous poursuivre, ça va. Oh, j'appelle la justice. La justice! Bonjour, je justice. Je suis là! On les fume. Complètement. C'est pas juste, il peut me tirer dessus quand je suis éparpillé par terre. Ah, et ben, faut falloir le prendre en compte, hein. Ne c'est pas mieux. Écraser quand on peut te tirer dessus. Un chat. Oh, mais, là. Tu m'as fait quoi, là? Voilà. Ça, ça arrive à viser, il faut que je m'approche. C'est bon. C'est bon. Oh, il y en a encore un. Ah bon? Je l'avais pas vu. On n'est pas là pour le destruction. Dans le genre général, j'ai l'impression aussi. Va falloir sortir. On n'a pas envie de sortir. On a envie de rester tranquillement, même avec les chars on est casanier. On a envie de rester dans le char, de mettre des petits coussins dedans. Bah, on est si bien de se faire, dedans. De poser des petits chocolats chauds devant, là. De se faire mais un petit poing et des sandwichs. Oh. Oh le salaud. Hey, il l'empêche. Ça paraît. Waouh. Sa barre voulait pas descendre. Oh. Oh char contre char. Bravo. Wow. On lui a montré. Dans la mélasse. Ah.
Pour le croissant. It is true. C'est rigolo comme ton petit personnage, il donne tout à chaque fois sur la manivelle. Bien joué. Quelle utilisation judicieuse des cristaux rouges. Ça fait bien. Oh. Je crois qu'il y a quelqu'un à droite. De sa faiblesse momentanée. Wow. Attention, c'est plein de petites choses. Des petits humains. Enfin, des petits gobelins. Des petits gobelins. Ah, sérieux. Ah. Bravo. Oh, ok. Il y a un autre choc. Nous avons essuyé un tir. Chef. Félicitations. Je crois qu'on va devoir descendre. Oh non, tout sauf ça. Non, mais on peut pas monter les escaliers avec le char. Le monde extérieur, là. On était si cosy. Ah oui. Oh. Mauvais endroit, mauvais endroit. Wow. Prends-toi ça. Oula. Je me suis pris la mitraillette. Contre lui. Paf. C'est bon, il était mort. Pardon. Je me suis enjaillé avec le moment. L'éveil. Oh. C'était de quoi ça? C'était un mélange de surprise, d'appréhension positive et. Les titans! Ils commencent à bouger! Je sais pas. Je me demandais l'éveil de quoi, visiblement oui, l'éveil du titan. Moi, ceux-là sont. On peut rentrer dedans! Bah là, vous avez des petits cristaux par ici, là. Moi, je suis déçu, je pensais qu'on pouvait le. Le diriger? Oui! C'est pour ça que j'ai sauté dedans direct, j'ai dit. Alors que de mon côté, moi je me suis dit waouh, elle a deviné qu'on pouvait aller dedans pour pouvoir choper le cristal et tout, trop forte. Il y a un point. Sur ça. D'accord, celui-là ou bien celui-là. Le DPS. Lequel? Oui. Oui. Le super punch. Mon super punch. Ah oui, c'est le rond enfoncé, ça, si je comprends bien. Oui. C'est celui que je t'envoie à valser tout le temps. M'envoie à valser. Je l'ai eu. Oh, merci. Un plaisir. Oh, on peut pas aller en bas. En bas? Si. Oh, j'avais pas vu que c'était un petit tuyau. On a trouvé un espace. Oh. Pour se faufiler. Ah, oui. Un coffre pour me mettre dedans. Un petit rubis. Rubis? Oh, c'est quoi le truc là? Il en faut 15. Ah, oh, mon dieu, les reliques du topaz. Oh. Harvey. Ça reste quand même plus proche que les 20. Oui, mais c'est la première fois qu'on le voit. C'est vrai. Tu veux dire que c'est peut-être plus rare? Oui. C'est pour ça qu'ils en demandent que 15 et pas 20. Non. Oh la merde, regarde tous nos jouets là. Grand. On a les petits cubes, les petits cubes. C'est ça, mais faut ranger les Legos de temps en temps. Oh. Supportable. Bravo. Ça y est, nous avons un agent infiltré. Oh là là. Rien compris à ce qui se passait, mais ça pétait dans tous les sens. Et... Attention.
Oh là là, ça a pas les bons signes tout ça. Ah oui, ça commence à bouger, à réagir. Le titan. Le titan. Pa la pa 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 la pa pa pa. Comment? On moule. Voilà, c'était clairement ça. Hein, parce que je sais pas comment je me suis trouvé là-haut, mais. Enchanté. Oh non, mais c'était des méchants. Oh non. Voilà qui était inattendu. Être enseveli dans la boue pendant des années, ça conserve. On dirait que les gobelins essayent de l'activer. Non, en vrai, je crois que c'est vrai. Y'a pas des trucs genre on a retrouvé des cadavres dans les tourbières. Mais pour des machines? Alors c'était un cadavre organique, mais on ah oui, pas, parce que moi je me dis avec la boue, l'humidité et tout, ça rouille, la machine elle se rongeait là. Je suis en train de me faire bolosser, je suis derrière, je vois rien de ce qui se passe. Ah oh, bah je suis morte. C'est bon. Derrière le gros machin. Oui, pas taper quand il est électrique. Tout s'en sait. Tout sur lui. Ah le poison. Ouf. Oh, je suis mort. C'était magnifique. C'est dans le petit d'abord. Oh, il est malin, hein, il reste à côté de son non, pote là. Je me prends toujours des coups de marteau. Tu l'as eu? Tu l'as eu? On m'a envoyé dans la gueule du loup. T'en as eu un? On a eu un et je suis mort derrière. Oh ça. Heureusement qu'on a deux. Comme d'habitude quoi. T'as eu le deuxième. Vous m'envoyez le rabou. Ah mais je suis là. Non, 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 on veut pas dessus. Pas quand il est électrique. Autrement, je veux bien, mais pas quand il est électrique. Ah, je suis trop tôt. Tu me remercieras plus tard. Moi, bon, je sais, il était déjà terminé, mais bon. Hein. Et maintenant, il est temps pour ma super attaque. Bravo. Merci, merci. Visez l'artiste. Oh non, quelqu'un a réveillé un titan. Un titan? Pas le titan. Il a les yeux rouges. Parce que c'est le mal. Vite. Bah remarque, nous on est rouge aussi. Hein. Mais nos yeux sont pas rouges. Bon, en effet. Moi je parie que de ses yeux rouges. Ah, pardon. Oh, il a pas besoin de tyrolienne lui. Il a ses bras. Il peut pas se changer en moto parfois. Ce serait drôle de le voir sur une tyrolienne quand même. Le gros robot. Ah, le gros robot, je suis en train de l'écouter. Ça marche pas comme ça. Ah, Nak. T'as vu comment je suis sympa? Waouh! Je me sacrifie pour toi. Ok. Tu es tellement chou de croire. Merci. Que tu as une chance. On est chou? Il a dit qu'on était chou! Il a raison, regarde, je suis tout petit. Faut savoir quand est-ce qu'il faut se mettre au tellement lent quand il est petit, c'est trop drôle. Non, non, là, m'en vois pas. Cesse donc, non, mais cesse donc. Mais ça marche bien. Non, ça marche pas bien, arrête-moi. Bien sûr. Je préférerais avoir le contrôle sur mon personnage, merci beaucoup. Bah, tu veux pas aller. Je te rattraperai. Mais je te ah oui. Bah, il a eu raison. Il, hein. Il l'a fait.
Là, tu l'as bien aimé. Je suis surpris. Jamais! Je ne veux pas un gentil garçon! Ça serait. Oh vache! Tu esquives bien! Ah, merci! Ah. Et tu es beau! Tes muscles sont saillants! La victoire sera mienne! Arrête-le, Nak! Sauve-nous! Sauve-nous! Que dis-je? Sauve-moi! Mais où sont-ils? Oh, je me demande. Son torse. Il y a des pecs. Ça va chauffer. Ça va chauffer avec ses pecs. Qui s'approche de ce titan? C'est parti pour la mission commando. Oh, bigot. Ah, je crois qu'il fallait pas. Oui. Ouais, c'est fini. Fais pas le timide. Oh, j'ai été trop tôt, je suis la vraie. C'est ma faute, j'ai été trop tôt. J'aurais dû attendre que l'animation soit plus vers le bas. Ah, moi j'ai fait avoir tous les deux parce que je sais pas pareil. Allez, montre-toi, sors de ta cachette. Oh, c'est vraiment un connard qui fait du tchou. C'est rigolo. Oh, t'as fini? Go! Tue-le, Nak! Tue-le! Anéantis-le! Lui et toute son espèce! Oh, waouh! C'est efficace, hein? Wow. T'as vu cette vitesse? Enfin, je t'ai envoyé dans le décor, mais... Où suis-je? Où est-ce que je dois aller, là? Je suis perdu. Il faut qu'on arrive à atteindre son point faible sur son torse. Ah. Très bien. Pouette. Ça suffit. Nous sommes amuses. C'est vrai. Ça va être le moment QTE. Oui. C'est bon, dit. C'est une feinte. Non. Oh. Pardon. J'avais pas vu qu'il fallait maintenir. Moi je maintiens tout le temps. Ah d'accord. Si jamais. Il n'y a pas de contrepartie à maintenir. Je savais pas si c'était pas un truc où ça retient que quand tu as relâché le bouton ou un truc comme ça. Ouais, pour ça je te précise que t'es pas peur de le faire. Ok. C'est tellement beau qu'il n'a pas besoin de se transformer, il reste petit. Oh. Ouais. Oh non, attention, sortir. Oh non, colonel Nak. Non mais la pose de... J'ai bien travaillé aujourd'hui.
Avec sa petite boule. Son petit boule ? Merci. Sa petite boule. Merci à tous. Vous avez sauvé beaucoup de vies aujourd'hui. Je suis très fier de toi, Ava. Merci, Xander. Ce n'a qu'à tout faire. On est encore loin d'avoir arrêté Gundar. C'est vrai. Mais bon, il est pas fier de nous. Revenir dans le passé. Mm-hmm. Pas vraiment. À l'époque, ça nous impressionnait encore de voir Nak casser du robot. C'est vrai. Moi, je suis impressionné. Je me demande. C'est là qu'on les a vus se réveiller, la première fois. Ensuite, ça a été dans la vallée, près de là. Et c'est là qu'on les a affrontés aujourd'hui. Ces différents lieux sont tous sur la même ligne. Exactement. Des distances de plus en plus éloignées du centre de commande. Proche, plus loin, encore plus. Le centre de commande serait au milieu de l'océan. Ça fait aller loin pour vérifier une hypothèse. Je ne suis pas sûr que... Là, je suis d'accord avec Xander. C'est une théorie très intéressante, Lucas. Mais mieux vaut nous concentrer sur des pistes plus sérieuses. Bah, c'est pas comme je si on les avait écoutées depuis le début du jeu. On les on va faire pareil, voilà. Hein, on est juste parti. Puis, ouais. Théorie, Lucas. Mais un centre de commande au beau milieu de l'océan... C'est peu vraisemblable. Notre monastère non, pas toi, Ryder. Pas comme ça. Pas avec ton petit cul. Venez, venez découvrir la modernité, docteur. La modernité. Un sens de la mode irréprochable. C'est vrai que je peux pas le prouver. Mais je sens que c'est possible, tu comprends? Et qui sait? J'ai peut-être raison. Ce serait pas la première fois. Merci, Nak. Ça me fait plaisir. Ma théorie vaut la peine d'être vérifiée. C'est moi quand je te parle. Allons-y. Merci pour ton soutien. Il avance tellement vite. Tu, 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 tu. On va encore faire de... Ouais, le tient par la main, c'est tout mignon. Vous en avez mis du temps. Bienvenue à bord. Bonne chance, Lucas. J'espère qu'il a pensé à faire le plein. Bah, il l'a fait, bien sûr, parce qu'elle y a pensé avant tout le monde. Oh. Tu vois quelque chose? Non, rien. Mais je sais que c'est par là. Mon instinct me le dit. Eh bah, nous voilà bien lotis. Tu laisses souvent ton instinct guider tes actes? Bien sûr. Pas toi? Je vais commencer. Bah, elle a pas besoin, c'est déjà bien ce qu'elle fait. C'est qu'un nuage. Après, si elle a envie, elle a envie. Mais hein. Bien sûr. Vous passez tout tour au beau milieu de l'océan? Le centre de commande. RNG. Ouais, puis là, on peut pas attendre de renfort. Hein. Ah bah là, ça va être un peu compliqué. C'est ça. Une immense Tina tour de qui métal. Ouvre la... la trappe pour avoir ses petites reliques. Ah, ça y est, je peux enfin parler et te dire que c'était une très mauvaise idée. Xander n'en revenait pas qu'on ait trouvé. Il peut pas du tout parler quand il est petit. Et ça m'a pris que 3 essais. J'ai jamais essayé en tout cas. 4. Je me souviens pas. Mais c'est pas grave. Bon, allons trouver. Je le trouvais mignon quand il parlait pas en petit, du coup, j'ai préféré imaginer. Parce qu'imagine, il est petit comme ça et puis après il fait regarder l'artiste. J'avoue. Quand Xander verra ça, il sera fier de nous. Ouais, c'est joli ici. Pourquoi est-ce qu'on vient tout casser chez eux alors que c'est tout joli? Parce que c'est la guerre. Après, vous nous envoyez des titans à la tête. Après, on sait pas, hein, peut-être que par la suite dans le jeu, on va finir par s'associer avec les hauts gobelins contre le gobelin belliqueux là. Le gobelin dans le cœur contre Gundar. Gundar. Avant qu'il fasse tout sauter. Tu veux dire qu'on va s'allier avec le méchant intelligent contre le méchant bête? Peut-être qu'il n'est pas méchant. Qu'il ne l'est plus. Sa méchanceté date d'un autre temps. Pour l'instant, c'est un méchant. C'est vrai. Ça veut pas dire qu'il est méchant, mais c'est un méchant. Attention de maman. Oh, d'accord. Je pensais pas que ça allait me sauter dessus. Oh, wow.
Très bien. Ça bouge tout seul. Ah, c'est pour la rating. Comme c'est Rose. J'ai l'impression. Enfin, comme celui que tu tapes, quoi. Non, je comprends pas. Ah, il y a plusieurs positions où oui, ça fait chouchouk. Oui, il y a plusieurs positions. Alors, par où est-ce qu'on commence? Je sais pas. Par le rose? Peu, hein. Là, je suis là. Je peux passer ici. Là, je peux passer là. Là, je pourrais passer là. Je peux passer ici. Je peux passer là. Je peux aller là. Bah écoute, on n'a pas fait exprès, mais... Mais qu'est-ce qu'on est bon. Oh là là, c'est joli. T'as vu ? Oh oh. Waouh. Oh non. On apprendra à faire des compliments à l'escalier. Oh non, t'es si joli. Ouf. Oh bravo. Oh oui. T'as vu ça ? Bravo. Regardez l'artiste. Refait. Ça y est, tu te nacrifies. Regardez l'artiste. J'aurais pas dû dire ça, j'ai commencé à rater à ce moment-là. Matez un peu. Une grosse tour. Garde le temps de l'heure. Ah oui. Il est plus fort qu'avant. Dommage. Faut qu'on se dépêche. Il faut qu'on entre et qu'on trouve un moyen de l'arrêter. Si Gundar est là-dedans, c'est lui qu'on doit arrêter. Attention, il y a plein de... Oh oui, la justice. Oh, on me casse la gueule. Quel talent. Dans un scar, oulala. Oh, bigre. Ah oui, j'ai pas pensé. Je suis trompé de bouton. Encore un. J'ai appuyé sur triangle. Je me suis dit, pourquoi ça recule. Alors. Oh. Donc ça c'est bien, mais c'est pas par là qu'on monte. C'est par là qu'on monte. Oh là là, mais du coup faut actionner. Faut actionner. Go. Paf. R2. Tu crois qu'il y a le temps pour ça? Jeune inconscient. Ah oui, en fait la lumière c'est le chrono, oui, j'avais c'est pas tilté. C'est malin. Ça va, tranquille. Je suis le Chaudiarpur. J'ai trouvé Excalibur. C'est vrai qu'il me cache, là. Mais... Ah, on n'est pas con, en plus. Ah oui, mais il l'a remis tout de suite, son énergie. Ah bah, il l'a remis tout de suite. Je suis juste là. Il doit y avoir un truc à faire. C'est ce que j'allais dire, mais trop loin. Okay. Allez, on lui a pris son goûter dans le coin. Fûtez bien. Tout. Oh wow! Là j'ai réussi à choper le truc sans avoir à monter ici. Ah, mais il y a un deuxième interrupteur, bien vu, j'avais pas vu. Ah bah oui, monsieur! Je suis bête, moi, je fais le truc à moitié. Tu veux aller dans le labyrinthe ou tu veux que j'y aille? Ah, tiens, je vais. Je sais pas ce que ça va donner. Oh boy! Je tente. Ouais. Oh, le petit coffre. C'est un petit coffre. Je pense que c'était la suite du voyage, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une pièce. Oh là là.
Plus qu'une après, hein. Breezer de Crystal. C'est un énorme gun. Ça y ressemble. Je suis pas sûr de voir. Alors. J'ai oublié qu'on était là. Ah oui, après, il faut aller de l'autre côté. Trouble, j'ai retourné. On va peut-être plutôt dans ce trou là, du coup. Je vais voir si ça amène à l'autre chemin. C'est que t'es pour avec toi. Mmh. Tu peux passer ici. Ah, ok. Oh. Je ne m'attendais pas à ça. Oups. Je vais pouvoir le mettre comme ça. Ça va faire comme il faut avec cette configuration. Oh, grand-mère, si, grand-mère, tchou. Bravo. Wow. Bien vite avant que je tombe. La sueur sur la manette qui commence à s'accumuler. Oh, bravo. Non, pas lui, pas encore. Pas cette fois. Ah, comme ça. T'as besoin d'une pierre de coups, mon gars. C'est vrai, ça. Avec les autres. Oh, je regrette. Peut-être qu'il faut sauter quand tu fais ça. Oh. Voilà. Ça... Dès qu'on s'est dit qu'il fallait sauter, on s'est tout de suite dit quoi faire ensuite. Hein. Ah, ils alternent. Ah. C'est rigolo, ça. C'est mieux. Oh, oh non. Au bigre. On avait dit ils alternent. Oh. Oh, bien joué. Oh non. Oh non. Je vais pas leur mettre juste à côté là. Oh. Mais lui tout en dehors de l'arène là. Oh bah lui. Faut pas la laisser de temps. La situation a été simplifiée. comme une crêpe là-bas. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis un ralenti sur ton plongeon derrière, du coup, alors qu'il se passait strictement rien. Je me suis dit, bah, le combat est terminé, du coup, pas du tout. Pas du tout. Ces robots me ralentissent beaucoup. C'est vrai. Mm-hmm. Tu as une idée, Ava? Essaye ça. Ah oui, c'est vrai que c'est notre fournisseur officiel Mais de pouvoir. Oui. Qui ne les donne que quand on demande, hein, par contre. C'est ça, elle donne que quand on nous demande, elle donne simplement, genre, tiens, essaye ça. Ah, essaye ça. Tu peux pas tout nous donner d'un coup? Bon sang, je vais pouvoir te claquer des doigts. Ah mon dieu. Un boomerang. Oh. Oh. Ta-da-da. T'as vu, j'ai pu me rattraper. Bravo, bien joué. Un boomerang, maintenez triangle pour lancer un boomerang, il étourdit ses ennemis, mais ne leur inflige aucun dégât. Tu peux aussi désactiver les barrières électriques des ennemis. Oh, c'est tellement bon. Oh bah c'est sûr que c'est plus pratique. Oh, le jeu de la distance là, merde.
j'étais un petit peu trop, ouais. Je m'y suis un petit peu trop cru. Non, c'est pas lui que je visais. Bon, merci, hein. Ouais. Yeah. Oh, ça simplifie la vie, hein. Oh, really? Du coup, j'attends de voir le type d'obstacles qu'ils vont nous mettre maintenant sur la route. Vu qu'on a quand même un super pouvoir. Oh, c'est pratique, ça y est, tu direct en plus, ça par contre. Yeah. Vraiment, les. On a l'air mal, hein. Les deux nacs les plus malins du pop. Hein. Ouais. Nope. Non, on est pas là. Oh. Et ouais. Oh. Ma tête va exploser. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Bah, je fais comme t'as dit, hein. Très fort. Talent. En plus, on peut les spammer. Rien. Ah, on peut les spammer. Je pensais qu'il y avait une recharge, ça change tout. Bon, si y en a une, je l'ai pas trouvé. C'est pas plus mal. Merci. Peut-être qu'à la fin du jeu, on aura un message. Vous n'hésitez pas à s'en faire comme ça. Je suis bizarre. Ah oui, un peu. Dedans, oh, dehors, un peu partout. Ouais. Ouais. T'as fait de la lumière. Ouais, j'ai l'impression que la tour elle va te tirer quelque chose. Ah oui. Parfois, et pas en bien. Mais des fois, exactement. Peut-être un dysfonctionnement. J'étais pas censé survivre à ça. Un peu trop d'entrain. Oh. Bravo. On t'aime, mon gars. Félicitations. On vous balance. Tous, tous. Hey. Oh non. C'est bien mieux là. Allez, on y va. Ça suspect. C'est entrouvert. D'un Y. C'est quoi ça? Je pense pas qu'on puisse mettre le boulourang dessus. Le missile fait la moitié de notre taille quand même. Oh, il balance des œufs. C'est maman araignée. Au cœur de l'action. Ah mais c'est fait rien par contre le boomerang. Par ici. Si ça enlève juste la barrière électrique, c'est déjà pas mal hein. Que bien. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Un gros machin pas cool. Apparemment elle protège cette entrée. T'imagines dans le vestiaire le nom de l'entrée, gros machin pas cool. Je cherchais à faire voilà ce que tu fais là. Je me suis un peu froid là. Bravo! Ah. Ah! Ah! Ah, changer les cadeaux! Hein. Ça va aller? Oh, tiens! Vas-y, vas-y! Oh, il se protège! Fais super point! Ah, comme ça, il n'y a plus de bouclier après! Ah, mais il y a même un peu de homing dessus! Tu l'as vu! Bravo! J'aurais dû me taper directement sur toi! C'était héroïque! Oh wow! Bienvenue! Oh le singe! Oh. Dans les règles! Oui! Dans ce petit trou peut-être. Trop forte. Alors. Ah oui, il faut juste presse. Je fais des hauls. Ouais, c'est le coup. Donc là.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a quelque chose là? Non, j'ai cru qu'il y avait un symbole quand t'étais par ici. T'étais par ici? Ouais, oui, c'est pour la porte. Pour la boîte, pardon. Merci. Non. Ah! J'avais pas vu que j'étais. Quoi? Bah, que j'étais métallique? Oui, t'es en métal. Ah non, on peut pas l'amener là-bas. Je suis en train de dire, on peut peut-être amener la caisse là-bas, mais visiblement. Ah oui, il y a une autre caisse ici? C'est juste, ah, c'est juste le métal. Ah bah, peut-être que tout ça, c'est pour prendre le métal. Il faut qu'on fasse demi-tour maintenant. Ah! Effectivement, oh, indice. Ah oui, parce qu'il y a la conductivité. Non, pour les poutures. Ah, pour les poutures. Respire un grand coup. On regarde peut-être sa manette un coup. Bravo. Yay. Tout à l'heure, j'étais trop éloigné, du coup, c'est pour ça. La manette, je suis revenu petit, alors que pourtant. T'as deux doigts de jongler avec la manette. Et maintenant qu'on est en métal, peut-être qu'il faut calmer, lui. Hein. Bien joué, ouais. Ça. J'ai vu que j'avais un pied dans le vide. Il en reste 3 sur le chemin de la force. C'est quoi le truc du bas? Celui du baba. Du baba, c'est sûr. Ça permet de quand même être très puissant, mais vous rendre vulnérable. Oh là là là, oh là là. C'est quoi l'ultime? Ça. Comme tu veux. Je n'ai pas de preference. Moi, je peux te dire que ça va me rendre vulnérable, donc je le crois. Faut être réaliste ou pas. Du coup, c'est ça. On se garde un temps. Ah oui, ça. Dégageons. Bravo. Ce câble vient d'être sectionné. Je dirais par Honda. Ouais. Le câble vient d'être sectionné. Mais la porte est ouverte. Le câble. Oh, c'est rigolo le coup de pied là. Pourquoi pas. C'est assez rapide. Il va faire un carré. Ah. Oui. Oui. Oh, acrobate, va. Oh là là. Regardez l'artiste. Je veux une vie, mon gars. Oh, vivre. Les petits ascenseurs. Oh. Non. Ah. J'ai activé déjà. Ah, d'accord. Ça va à la porte qui est là-haut. Mais comment... comment monter? C'est la question. Viens ici. Saute sur moi. Je peux pas sauter sur toi, on a pas de collision. Ah, d'accord, pardon. Ouais. Je vais faire... Peut-être qu'on est un peu en dessous. Bon, il doit y avoir un vrai moyen, sinon. Hein. On va trouver, peut-être. Oh, c'est vrai qu'il y a des trucs invisibles. Oh, salaud! Pardon, Lucas, mais. À quel moment? Dégageons! Okay. Quel salaud! Les câbles aussi ont été coupés. Oh,
c'est pas pour le bleu? Ah pardon, mais j'ai... une petite couleur bleue, je me suis dit peut-être que le bleu c'est pour le bleu. Ah, ça, ça a l'air d'être un peu le bruit de la défaite. Attends. Ah, merci beaucoup. C'est juste que j'ai pas vu le violet, c'est pour ça. Et du coup... Oh, il faut un verre. Il faut un... Comment faire pour prendre le verre? Il est où le verre? Mais je sais pas, parce que, à mon avis, je vais mettre quelque chose là-dessus, non? Pour pouvoir ouvrir ça pour que... Ça? Oui, je pense. Là, au fond, il y a quoi? Voilà, est-ce qu'il a le verre? Ok. Là, tu peux mettre le violet là-bas. Ok, cool. Ah, t'as un métal? Non. Ah, je croyais pas. Je sais pas si c'est comme ça, mais... I am now in a metalu. In a metalu. Je pense qu'il va falloir remettre deux cubes, voilà. Oui. Tu mets deux cubes dans ton riz pour ajouter du goût. Du goût. De quoi il me parle? J'ai pris deux cubes dans mon riz. Attends, pardon. Ça me paraît pas très urbain. Ouvre la porte. Cube de bouillon, bien sûr. Ah. I'm sorry. Eh ben, je vais me taire. Au cas où. On veut être sûr. Bravo. On dirait que ça a une statue à mon effigie. Moi. Je suis où moi avec tout ça? Allez, je suis là. You. You. Oh là là, des portes dans des portes dans des portes. Bigger. Comme tu dis, bigger, bigger. Alors c'est là le cœur du centre de commande? Pas beaucoup de gobelins là par contre dedans. C'est vrai? T'as vrai ce que tu dis? Je comprends pourquoi c'est combattu que des machines. C'est en réparation. Je crois. Voyons si ça continue à marcher si on coupe le courant. Vas-y, mets les mains dedans. Attention à toi, Gundar. Un générateur de secours. Ou pas. Manifestement, non. Oh, big up. Il est sur l'île. C'est sûr. Ah, oui, c'est sûr. Je peux le sentir. Moi, j'en vois très loin. C'est vrai. Champion du lancer de boomerang. Quand il y a un endroit loin où, le, où l'envoyer, bien sûr. Ah, sinon, ce serait quantique. Tu veux quoi, droite ou gauche? Oh, y'a pas grand chose à droite donc. Moi je ramasse. Ah, mais c'est du gobelin là! Oui, c'est du gobelin! Ah, c'est du gobelin là! Oh oui, c'est du gobelin! Là bas, attention! Je t'attendais, mon cher! Tu sais que tu t'entends là? Tu t'obstines à aider les humains, ce que je vois! Tu crois être de taille face à nous? Et comment? Dans ce cas, approche et réglons ça entre toi et moi. Ils sont deux. Ça fait beaucoup. Mais c'est faisable. On a vu pire. Tu en fais déjà 3,70 m. Là, ils enlèvent leur sécurité quand on arrive. Merci. De rien, bien sûr. Oh, pardon. Oh, wow. Oh. T'as vu ça? Je les vois pas, mais... Nah.
Oh, il a volé comme dans un épisode de Steak. Oups. Attention. Moi, ils sont pas aussi gros que je pensais. Steve et Bob. Tu arrives à temps pour être anéanti. Par contre, ouais, le mec, des robots comme ça, on en a mangé au petit-déj pendant je sais pas combien de temps, et il continue de se dire, oh, ces deux-là, par contre, ils sont vraiment très, très bons. Je les ai huilés moi-même. Assez. Il n'y a que moi qui ai le droit d'insulter. C'est un quoi? Quoi? Deux contre un, là. Tu es prêt? Ah, fou, deux contre deux. Si je peux me permettre. Massacrez-le. C'est vrai qu'on peut ranger leur barrière, maintenant. C'est là. Le du frottard, maintenant. Il a remis alors je vais lui envoyer. Ça fait mal. Je suis mort. Oui, ça fait mal. C'est le mieux que tu puisses faire. Notre combat s'achève ici. Personne n'achète mon combat. T'as vu un peu. Ouf. J'arrive sur le côté là. Je prends tout. Ah bah on sait pas quoi faire. Bravo. De tous les côtés. Paf. Ah non, casse-toi. Ah bah mince. Ah bah Gundar. Ah là, à mon avis, si tu fais un plat, ça fait un peu mal. Parfait. Xander est là. Toujours un petit peu après tout le monde. C'est ça. Qui aurait bien pu croire qu'il y avait un centre de commande par ici? Ce fou ouais. Alors. Il y connaît rien. Il a quand même réussi à activer les robots. Vous dites ça comme si c'était bien. Par contre, il est tombé très vite. De manière. Le problème, oui. C'est théâtral, mais très courte. Donc, bon. Qui les manipule et ce qu'on en fait. D'ailleurs, Anguille Roche. Prends cet artefact. Ils me font marrer les robots derrière qui avancent. Reconnu. Fameux golem. C'est une source d'énergie conçue par Yurik pour alimenter le centre de commande. Moi, je dis, il est suspect. Ah bah là, clairement, il a du pouvoir dans la paume de sa main. Tu vois. Oh non. Il s'insère parfaitement dans cette. Oh, c'est maintenant qu'il fait. Haha, en fait, je suis méchant. Regardez. Ou alors, il profite. Oui, il profite. Enfin, il peut devenir le méchant de l'histoire, tu vois, mais peut-être que là, il n'était pas spécialement au départ, mais maintenant, il est en mode, si vous oh, bah, saviez ce que c'était, pourquoi vous l'avez pas dit tout de suite? Certaines choses doivent rester secrètes. Et jusqu'à ce que ce soit pas moi. Je ne sais pas que mon grand-père est un haut-gobelin. Contre les hauts-gobelins. Et il m'a trahi. Ben ça, techniquement, ça nous arrange, mais... Il est vrai. Pas pour longtemps, à mon avis. Parce qu'après, il va vouloir asservir les humains, lui aussi. Réveillez-vous toutes. Comment ça ? Je te rappelle qu'on est dans le passé de la scène d'introduction où il y avait des. Attendez, des robots et tout ça. Hein. J'avais oublié cette scène d'introduction. Non, mais je suis sûr qu'il a un plan. Il faut lui faire confiance. Ava, le plan, c'était d'arrêter les robots et les gobelins. Et c'est fait. Oh, tu sais ce qui m'ennuie le plus chez les gens comme toi, Lucas ? Le manque d'ambition. Imagine ce qu'on pourrait accomplir avec toute une armée de guerriers robots invincibles. Allez. Nous pourrions changer le monde. Oh mon dieu, on va conquérir le monde avec le méchant. Les robots insectes. J'espère qu'on va pas se retrouver à devoir demander l'aide des gobelins, finalement. Il est temps d'arrêter ça. Gunda, Nak, non, arrête. Ils sont de notre côté. Laissez-nous expliquer. Tu te fais des illusions, ma chère Ava. Mais essaie. Vous allez nous aider? Non. Ava, non. Impossible. Tu vois, ils sont totalement incapables de comprendre notre mission. Allons-y, Ava. Non, mais on peut pas les laisser je là. Je sais bien que tu les apprécies, mais n'oublie pas notre mission. Et notre mission est d'améliorer le futur de l'humanité. C'est notre voie.
Il ne leur arrivera rien. Tu viendras les chercher quand tout sera terminé. Tu crois vraiment qu'on va attendre sagement C'est la spécialité de Lucas. Ava, me fais-tu confiance? Bien sûr. Je suis désolée. Ava, tu t'en sortiras pas comme ça, Xander. C'est ce que tu crois. Les enfants, montrez à Nax ce que je vous ai appris. C'est qui celui-là? Je suis le golem méchant. Oh non! Nous aussi, on se fait ça. Oh, big. Ah. On le fera un autre jour. Fait comme Gunda. Mais par terre. Ah, t'es tombé de haut. Hein. Heureusement que c'est pas Lucas qui est tombé comme ça. Hein. Badge de Gundar. Oui, parce qu'on l'a battu. Ah. Je crois que c'était parce qu'on était tombé comme lui. Justice! Que justice se fasse! Mini justice! C'est vraiment mini! Hein. Moi qui attendais en me disant, je vais attendre juste là-haut avant de me téléporter. Bien montré. Oui, moi je monte, je tue. T'as le méchant qui arrive et toi tu lui expliques, oh, je vois le passer par là, quand tu fais un coup ça fait mal. Un truc, hein. Bigou. Oh boy. Oh boy. Ah, j'ai vu la perspective, je me suis dit. Le oh gros boy. No. Le gros stop. Ah non, encore! Ah, mais viens avec nous cette fois. Oh. Oh, c'est un boss. Le sol est en train de s'effondrer! Tu crois? Menteur! Charon, point. C'est vrai ça. Ça marche pas, en tout cas le boomerang sur le... Oui. Oh là, vas-y, tu le domines, tu le domines. Qu'est-ce que je fais? Merci! Oh, le roi le raccourci! Le roi courci! Oh, oh, bigre! Une main! J'espère que t'as rien vu! Ouais, je suis mort! Oh oui, oh, il montre lui! C'est cool!
Grossement et tout. Vas-y, viens, gros. À chaque fois, je me fais pas. Ouf. On est magnifique. Magnifique. Ah ah. Oh, je crois qu'il y a un problème, monsieur. Il a la justice. Ah, salaud. Oh, on a le deuxième comme ça, je suis si petit. Bravo! Ouais! Oh, il était cool! Mais on a bien eu! Ah oui! L'avion! Le. Quoi? Il l'a détruit, bien sûr! Ryder qui va être content. Moi je dis qu'on va se transformer en avion. Ça serait tellement bien. Quatre fois plus grand. Avec juste ses deux yeux à l'avant. Ça doit être sympa de regarder les choses. Les deux yeux quand on est petit. Hein. Le combat c'est ton affaire. Moi je m'occupe de la stratégie. T'es pas un bon stratège. Super stratégie mon pote. C'est toi qui a donné l'artefact à Xander. T'es nul. Eh ben essaye de le battre, ça impressionnera Ava. On s'en fout, nous c'est pas nous. Incroyable. Oh Nat, t'es tellement fort. T'es jaloux. Lucas. Je te pointe du doigt. Et mon doigt fait ta taille. Grandis. Il a raison. Ah, nous on grandit, tous les niveaux. Nous on grandit, le chaque fois on commence, on fait 1m30. Ensuite, paf. Et Nak. Alors, ils sont tout penauds. J'ai fait le tour de l'île, j'ai trouvé personne d'autre à qui parler. Je veux pas être méchant. Tu sais, c'est pas à toi que j'en veux. C'est à Ava. Faut que tu t'en veuilles à toi-même. Ouais, c'est un ça peu plutôt, ouais. Comment elle peut préférer ce Xander à nous? On est géniaux. On est piégé aussi. On va trouver une solution pour se sortir de là. Ok. Déjà, on parce a qu'on est un géniaux, avion en miettes. Et quelques arbres aussi. Bien. Enfin, un radeau. Plein de débris de robots. On fait un radeau robot. Avec les ouais. Trucs, les moteurs de l'avion, les hélices sur des arbres. Si on était dans le prochain Zelda, je pense que ça marche. Deux semaines plus tard. Bon, on n'était pas dans le prochain Zelda, visiblement. Justement. Xander le laissera pas faire. Ah, mais ça te bombe. Cette petite araignée. Ah, faut qu'il y ait un petit accident, peut-être. Toujours. Il y a forcément une solution. Mais je vois pas quoi. La nuit porte conseil, comme on dit. Allez, repose-toi. Ça fait deux semaines, c'est ça? Mais ils ont à manger, au moins. Ouais, il y a peut-être des fruits, des insectes. T'as raison, les insectes. Mais c'était des insectes. Un mois plus tard. Oh, mais putain C'était une sacrée nuit. Bon, du coup, je pense que la scène d'intro, c'est vraiment quand on va sortir de l'île. Ouais, il y a des chances. Hein. Ouais, faut voir. Vas-y, mais qu'est-ce qu'on a fait? Nak! Je crois que j'ai une idée! Et j'ai mis un mois pour la faire. C'est ça. On va faire un radeau. Oh my god. Wow. Assez lent. En tout cas, c'est un grand projet du coup, parce que ça prend plusieurs jours.
ça avance lentement. Mmh. Attention, je vois un début se profiler. J'ai vu une sorte de réacteur sur son bras à un moment donné. Une catapulte. Enfin, une catapulte, un lance-pierre géant. Oui, juste ils remettent l'avion. Un avion lance-pierre. 4 mois de Je crois que ça, colle, hein, parce que je crois que c'était 6 mois plutôt. Ah, effectivement. C'est pas conventionnel. Putain, c'est vraiment une catapulte. Il est fait de bouts de robots désossés. Alors oui, il est bizarre. C'est pour ça qu'il a eu le temps d'avoir les cheveux qui poussent. C'est ça. C'est parti. Il a l'air un peu moins con. Déjà. Si seulement il avait un peu plus d'âge, j'aurais peut-être eu une barbe en plus. Hein. J'y ai pensé, je me suis dit, il est encore trop jeune pour... un petit duvet. T'es vraiment sûr que ça va marcher? Oui. Oui. Et l'hélice, elle est là pour faire joli? T'es prêt? Oui. Ah, ouais. C'est parti. Ah, parce qu'il n'y avait pas cette place pour faire boum boum. Il voit quelque chose parce qu'il est un peu petit quand même. On aurait pu prévoir des petites poignées ou quoi hein, pour l'arrière. Direction le manoir du docteur. Tu peux te mettre à l'aise. Le voyage va être long. J'espère qu'ils avaient du carbone d'ailleurs. Voilà, voilà la poisse. Voilà avec quoi je vis. J'espère que... Non, ne finis pas cette phrase. C'est pire que je pensais. Ah mais c'est des gobelins. J'espère qu'ils vont bien. Non, c'est des Xandaria. Ça avait l'air d'être des soldats. Non, je n'ai pas fait attention, mais ils disent que c'est le manoir du docteur. Oui. J'ai l'impression que le docteur n'est pas très libre. Ouais. Oh là là, oh ouais. Okay. Ah, c'est des Xandaria. C'est les moines. C'est les moines. Moines guerriers. Ils ont pris des armures. C'est comme les... Dans The Elder Scrolls, les brigands là qui finissent avec des armures en or. Mais comment ils veulent nous? Oh. Oh mon dieu, ça marche pas assez le boomerang! Mais vous êtes. Non mais oh, c'est les pires soldats du monde par contre, hein. S'ils pensent pouvoir vous tuer en. Il y a des reliques ici. Ah, c'est merci. Bon. Je pense pas qu'ils pensent. Ah, c'est mignon parce que je crois que le jardin. Alors, c'est peut-être pas exactement le même, hein. Mais c'est dans un jardin comme ça qu'on commence le premier acte. Parce que c'est chez le docteur, c'est justement, et il fait une sorte de... Bon, je me souviens pas du parking, hein, je vois. Il fait une sorte de grande cérémonie avec des invités et tout. Pour montrer justement Nak, qui est son nouveau produit. Enfin, sa nouvelle expérience. Waouh! J'ai explosé. Je pense que... Ils sont morts. Est-ce que c'est... Un tuyau d'arrosage. Mais oui, tu vas avoir ton super écrasement. Bonk. Oh, le petit cristal. Yeah. Moi, je vais écraser sa maman. Mmh. Donc quand t'écrases, ça fait que les cristaux jaunes, ils explosent, si je comprends bien. Oui, faudrait qu'il y en ait à côté. Oula, c'est Oula, des grosses mines. On dirait l'aspirateur. Oh, je peux même pas les boomeranguer. Alors, notre grande passion. En vrai, il y a un peu de temps. Quoi. Oh, il y a pas mal de temps. Mais... Oh, bah j'ai été explosé. Alors, moi, c'est boomerang forever. Mmh. Ah, même sur les petits golems, ça marche. Ouais. Dans ta face. Je me suis arrêté, je le savais. Je le savais. L'attaque renforcée. Et oui. L'ouverture de l'arbre. Parce que bon... La voie de la compétence. Jusque-là, on était incompétents. C'était exactement ça, ouais. Je pense que... Ils ont dû faire plein de trucs. Oh là là, ça coûte plus cher là, ça coûte 2. Ah bon? Non. Yep. T'as vu, ça a marché. Oh oui. Putain, le salaud. Hé hey.
Oh, il a un bouclier en plus. C'est trop chou quand t'es tout petit dessus. Je sais pas, j'en ai si dans les boîtes aussi ça marche. C'est des sacrés renforts hein. Ah oui. Oh bah. Oh pardon. Ça a magnète sur toi. C'est pas grave. Finalement. Bravo. Oh, je crois que je suis les Gaulois ici. Mais oui. Oh non! Que faire quand je fais des robots par l'eau? J'en ai demain! Le boomerang! Bravo! Merci, c'est grâce à toi! Oh, des petites roses! Ah, celui que je vise, hein, mais très bien! Ah, c'était bon! Le Thunder Skate. Ah, c'est pas une petite merde. On les a eu ? On les a eu ? Oui, on les a eu. Oui. Ah oui. La puissance. La Rose Ray. Chami. Ah, voilà. Allez, mais vaut maintenant que. Avant, rien. Hein. C'est vrai. C'est un joli feu d'artifice. Feu d'artifice. Pardon, non. Feu arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Un feu couleur arc-en-ciel, c'est ce que je voulais dire. Uh-huh. Oh, big. La justice. Toujours bref mais intense. Ah oui, la justice a encore frappé. Ah, c'est sûrement un piège ça aussi. Fouf. Fouf. Il fait pas bon être petit. C'est vrai ça. Il est fini là-bas. Enfin, tant mieux pour lui, au final. Peut-être que ça se casse. Ah non. Faut venir, monsieur. Il l'a renvoyé aussi. Fait du ping-pong. Tellement cru. Ah bah oui, il faut être petit à côté. Ah oui, effectivement. Oh non. Come on, Lord. You can do it. Bon. Il avait une petite bombe, le salaud. Oh, une petite bombe. Aïe. Moi, je reste. Ça explose de partout, je sais pas ce qui se passe, mais... Il y a eu un gros tacle au milieu, là. Bravo! Oh,
Ah. Oh. Oh, quand on brise les cristaux, ça stun les gardes. Ça suffit. Quel salaud. Il ose bien faire son travail. C'est pas cool. Nak. Eh ben, je vois que t'as bien nettoyé le jardin. C'est pas grâce les à toi. Ils sont peut-être nos ennemis, mais ils se battent comme avant. Allons-y. Ils se battent comme avant. C'est vrai qu'ils se battaient avant. Ça veut dire qu'ils ont pas, sont pas meilleurs maintenant ou... Charbon. C'est un outil pour le jardinage. J'ai entendu les moines. Ils se battent vraiment comme avant. Hein. Et les autres sont retenus au sous-sol. Bon, j'espère que ça fasse une séparation. On a été naïfs. Ça aurait été mignon. Ah oui. Oh, pas mal. On a la petite cheminée, le passage secret. Oh, un petit relique d'aigle marine. C'est vrai, ça c'est quoi? Signale au joueur lorsqu'un coffre au trésor se trouve près du lac. Oh non, on va tenter ça. Allons-y. Mais il en faut 20. Il en faut 20. Que faire? Je frottais les petites pattes, bien sûr. Oh, t'inquiète donc, que ça on sait faire. Oh. C'est grand chez le docteur, ma foi. Ah, ça! C'est immense. J'espère qu'il paye ses impôts. Voilà, sa première bibliothèque. On peut passer par les conduits d'aération. Là-bas, il y a des trucs aussi. Je comprends pas quoi. Bouger comme ça, ok. Ah bah, vas-y, monte sur ce, sur le grand là. Le grand. C'est ça. C'est ça. On va voir que j'aurais pu te mettre sur le petit. Hein. Tout ça pour ça. Hop. Non. Tac. C'est pour ça, t'es passé de l'autre côté quand même. Bien sûr, faut encore me déplacer. Ah, c'est pas là. C'était de l'XP de l'autre côté. Ah, d'accord. Tant pis pour l'XP. On est tellement bons. On est en prison. Ah, j'ai pas alors, réagi. Alors, t'as été gentil. Hein. J'ai pas réagi là. Je fatigue là. T'étais en mode de la prison. Oui, moi je pense qu'il est veut. Je suis HU. Perdu au milieu des motifs. Hein. Du tapis. Bon. Je crois que. Donc. Effectivement. T'as Sophie tout de suite. Non. Oh. Et ensuite. Ensuite, ça marche au carton. Mmh.
Voilà, ça on peut l'utiliser pour monter quoi. Mais il faut ouvrir la bibliothèque, non? Quelle bibliothèque? Ah, j'ai cru! Bah, là-bas, je pensais qu'il y avait une bibliothèque à ouvrir. Je sais pas, peut-être. Peut-être que c'est ici qu'on peut le faire. Ah, c'est cela, oui. Oh, Sentel, bravo! On va y arriver. Il est pas plus loin qu'avant, hein. Si, moi aussi, j'ai l'impression. Ça va dans un peu plus proche. Quel enfer. Laissez-vous tranquille. Oh. Oh la vache. Ils sont entrés dans le labo du docteur. Chut, pas de bruit. Le c'est des robots qui passent, qui font l'aspirateur. Oui, avec des lames. Chut, pas de bruit. Ah oui, là c'est le... Avant de faire l'entraînement au jardin contre les robots. Ça c'est le tout premier endroit où tu joues qui sert de tuto pour montrer Nak. Genre, ah, il peut sauter. Il peut faire plein de choses. Pas le temps pour les souvenirs. Même pour les bons. T'as le talent. Je ne fais que t'imiter. Ouf, dommage. Bravo. On est trop bon. Je suis où là? Je suis pas. Ah non, ah non, t'étais petit. Il était petit. Je sais que j'ai fait exprès de devenir petit de l'autre côté, mais. De toute façon, on va falloir, ouais. De la foudre par terre. J'ai été eu. Il a été eu. Oh le salaud. Il me fonce dessus. Ah, par contre, je sais pas où je vais moi. Ça c'est bon. Ah non, c'était toi là. Oui, c'était moi, de toute façon. Je... J'ai vu que c'était un petit gobelin. Alors, on a. Bon. Oh boy. Oh, oh. Dommage. Oh, dommage. Wahoo! Oh, c'est pas final! Ah, ah. Ça a explosé. C'était quoi ça? T'es voulu me faire sauter au plafond? À l'ascenseur. Oh oh! En apesanteur! Que le géant lui-même. Oh, des reliques en plus. Des reliques! Oh lourd. On peut être dans ce couloir. C'était
c'est pas possible ce mec. Oh, ce mec, ce robot. Je sais pas où t'es. J'appuie sur R2, mais j'arrive pas sur toi. Hmm. Ah si, je suis tellement petit que je me voyais pas. Ok. C'est pas fait, hey, ce de... Après toi. La porte. Mm-hmm. Oh, ils sont en prison. Ça fait 6 mois qu'ils sont là. Bonjour. Oh, il était mieux sur notre île, hein. Ah bah c'est sûr. Ah, eh, mon avion. Peu après que vous ayez disparu, ça a été chaud. Zender a annoncé son nouvel ordre mondial et envoyé ses moines. Par contre, ils sont tous allés chez le coiffeur entre temps. C'est votre amiral qui a mené l'attaque contre le manoir. Bah voyons. Personnellement, je trouve qu'on a eu de la chance que ce soit elle. Certains de ces moines sont des barbares. À ce qu'on sait, seule l'oasis n'est pas tombée. Autre chose? Certaines rumeurs disent que Zender s'apprête à passer à la vitesse supérieure. C'est pas bon, ça. Au fait, Lucas. Mon avion. Ton, quoi? Il y a 2-3 morceaux qui restent devant le labo. Regarde comment il est beau ton nouvel avion. On a quand même sauvé un moteur. Bon. Je l'aimais bien mon avion. C'est un pouce, ça. Et ça c'est quoi? Une tête? Alors cet avion est fait de pièces de robot? C'est incroyable que vous soyez revenu en un seul morceau. Ah ouais. Vous n'avez vraiment peur de rien? Arrête de tout casser, mon chou. Lucas, je veux que tu aies un moteur digne de ce nom. Je peux modifier quelques trucs? Avec oui, oui, tu peux hein. Genre le démanteler. Donc, et en faire un nouveau. Avion, ouais. Moines et les armes antiques. C'est exactement le même, il y a juste le réacteur qui a changé, tu peux pas décoller. Sauf si tu connais quelqu'un qui aurait une grande armée indépendante sous la main. Oh bah, on a des amis gobelins. Non. Non, 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 jamais de la vie. Ah. Je ne mettrai pas son ex. Ah, oh, tu vas peut-être pouvoir rencontrer son ex. Ah bah moi je on sera bien, avec hein. Les super soldats là. La forteresse de Katrina. C'est Avengers. Alors c'est là, chez Katrina. Katrina, je sais plus exactement, mais c'était genre l'associé ou la. La bras droit du méchant du 1. D'accord. Et à la fin du jeu, elle se fait sauver par Ryder. Ah, si, on les voit juste, juste partir ensemble. Je vois. Mais comme c'est une méchante à l'origine, ça n'a pas fonctionné. Ah, faut croire. Ou alors elle a monté son entreprise et un truc avec Ryder qui voulait partir à l'aventure. Je sais pas. C'est possible. Mais ça, on va le découvrir la prochaine fois. Ce sera l'occasion de découvrir la Katrina de NAC 2 et pour toi de découvrir tout. Découvrir, bah oui, moi je la connais pas. Puis on pourra s'épancher sur les histoires de cœur de Ryder au passage. Hein, il a déjà perdu son avion. Peut-être qu'il va récupérer son ex. Ah bah ça serait pas mal pour lui. Hein. On espère en tout cas. On espère aussi que cet épisode vous a plu. On se retrouve pour la suite dès que possible. Et comme à l'accoutumée, d'ici là, portez-vous au mieux des bisous. Bye. Bye.